Pas de pitié pour les croissants, v'là. Charlie, j'ai une super idée. Ah oui? Oui, on va faire une nouvelle émission, on va l'appeler Pas de pitié pour les brioches, et dedans, on se moquera de l'autre. Tu veux dire de l'autre, de celle qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom? Oui. Ah, c'est une super idée. Voilà, regarde. Tiens, prends la feuille. J'écris un texte, vas-y, on va répéter, toi tu fais Corbier. Tiens, lui, on a le droit de prononcer son nom? Oui, lui, on n'a pas encore reçu la note. Bon, on y va. Allez, on y va. Bon, alors, bonjour à tous et bienvenue au club. Ça va, Corbier? Ça va? Non. Pip! Tac! Il y a eu pire. Les bords du Nil, quelques siècles avant notre ère. La jeune Ariane, fille de Corbicis, concierge du pharaon Ramsès XII, contemple le flot majestueux du fleuve nourricier. Maman, quel est donc ce tourment, maman? Cet étrange sentiment, maman? Cette envie qui me prend. Oh, mon Dieu, une tache! Soudain, elle se redresse, intriguée. Elle a aperçu quelque chose. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon Dieu, un bébé! Papa, papa! Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Papa, regarde là, dans le panier, un bébé! Bah, tu vois bien que c'est un poupon. Monsieur Corbicis, excusez-moi, normalement, il y aurait dû avoir un bébé dans le panier. Mais comme on n'a pas eu les autorisations de tournage pour le bébé, on a mis un poupon. Oh. Bon, ouais, mais c'est pas sérieux, ça, les copains, hein? Bon. Oh, tu as raison! Vite, rattrape le panier avant qu'il ne coule! Oh, papa, regarde! Il est habillé tout en bleu, c'est un petit garçon. Merci, Ultimate. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Eh bien, si on l'appelait Moïse. Oh non, Moïse, c'est complètement nul, ça, Moïse. Oh non. Carole, voilà. On va l'appeler Carole. Bah, Carole, c'est un prénom de petite fille. Tu vois bien que c'est un petit garçon. Bah oui, c'est vrai, mais enfin, c'est joli quand même. Oh oui, Eric, voilà. On va l'appeler Eric. C'est pas mal, ça. Et si on gardait les deux, Eric, Carole? Bonne idée. Ouais. Oh, oh, comme tu es mignon, mon petit Eric, Carole. Bon, eh ben écoute, on va rentrer avant qu'il attrape froid, hein. Oui, t'as raison. Allez. Je vais le mettre bien au chaud. Oui. Allez. Hé, hey, attendez, ce n'est pas fini. Regardez. Oh, mon Dieu, un deuxième bébé. Pas de pitié pour les croissants. Eh ben moi, quand je serai grande, j'aurai un bébé comme moi. Eh ben moi, quand je serai grand, j'aurai aussi un bébé comme moi. Ouais, si on veut. Oh mon Dieu! Un deuxième bébé! Oh! Tu crois pas qu'un seul, ça suffit? Oh non, on peut pas le laisser comme ça, hein. Tiens, attrape-le. Oh bah oui, mais... Oh, oh, oh là, t'as vu son nez? Oh non, on va le rejeter à l'eau, celui-là. Non, jamais! Je l'aime déjà. Oh, elle a un ruban rose, c'est une petite fille. Oh, comment est-ce qu'on va l'appeler? Bon, je sais pas, moi, Cléopâtre, c'est à la mode. Oh non, 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 Cléopâtre, c'est la vulgaire. Oh non, Pâtre, j'aime bien, mais Cléo, non, 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 non. Oh, qu'elle est mignonne, ce petit ange. Elle dort. Ah bah voilà, j'ai une idée. On va l'appeler Doropâtre. Bon bah écoute, tu fais comme tu veux, tiens. Moi, je rentre, il fait froid, allez, viens. Pas de pitié pour les croissants. Oh mon cœur, accroche-toi. Oh.
bien à moi ce bonheur qui fait trembler d'un seul coup le monde entier depuis qu'il m'a embrassé. Non, mon cœur ne me dit pas, non, mon cœur, qu'il ne faut pas. Je sais bien, c'est pas malin, mais j'ai eu beau résister, je n'ai pas pu m'empêcher. Tu me connais depuis longtemps, c'est pas mon style de faire semblant. Plus rien ne sera comme avant. Je l'aime, il m'aime. Oh, 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 oh. Attention, attention, danger. C'est si bon, pourquoi résister? Attention, attention, danger. Je l'aime, il m'aime. Oh, 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 oh. Si je pleure, oui c'est de joie. Si je suis ta prisonnière, ce n'est pas pour me déplaire. Non, mon cœur, ne t'en fais pas. Non, mon cœur, il ne faut pas avoir peur. Oui, tu verras, toi aussi tu l'aimeras. Je suis sûre qu'il te plaira. Tu sais, tu peux me faire confiance. Oublie toutes tes méfiances. Aujourd'hui c'est... Que c'est beau. Le palais de Ramsès XII, quelques années plus tard. Je parie que vous l'avez remarqué, j'ai un double rôle cette fois-ci. Je suis aussi le narrateur. Es-tu sûr de tes allégations, Philel Sipsonis? Positivement sûr, grand pharaon, je l'ai lu. Dans les entrailles de la génisse que nous avons sacrifiée. Bah et alors? Regardez. Le pharaon doit se méfier du bébé du Nil. Enfin, c'est insensé. Quel est ce bébé venu du Nil? Les messages des dieux sont parfois sibyllins, grand pharaon. Excusez-moi. Oui? Là, j'ai une voix off à faire. Je reviens tout de suite. Pendant ce temps, dans la loge de Corbicis, le concierge du grand pharaon Ramsès XII. La femme tout en camon qui rentre un peu tard ce soir. Ouais, en plus, hier soir, elle est pas rentrée seule. Remarque, hein, je la comprends, hein. Avec une vieille momie comme son mari, hein, oh. Moi, j'en ferais autant. Dis donc, mon papounet, quelle heure il est? Mais, je vais te dire ça. 9h moins quart. 9h moins quart. C'est l'heure de donner à manger au bébé. Oh, mais c'est pour ça qu'il criait. Voilà, voilà, mes petits chéris, j'arrive. C'est pour la petite Dora Pat et pour le petit Erika. Allez, qu'est-ce qu'il a, Erika? Je sais. Il miaulait parce qu'il voulait que sa maman lui chante une chanson. C'est ça. Allez. Ça donne envie de chanter, donne envie de rêver, ça vous met dans le cœur un petit peu de bonheur. La 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 la. La 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 la. Pas de pitié pour les croissants. Excusez-nous, mademoiselle. Vous n'avez pas envie de danser? Oh, pardon. Alors là, je savais pas ça, hein, quand j'ai dit oui. 20 ans après, dans le palais du pharaon Ramsès XII. Simpsonis, Simpsonis! Qu'y a-t-il, majesté? Vous me laissez le temps quand même de faire ma voix off. Voilà. Mon règne touche à sa fin. Les ans ont pesé leur lourd fardeau sur nos petites épaules. Je sais que tu m'as toujours fidèlement servi, Simpsonis, c'est vrai. Seulement, une fois... Dans une de tes prédictions, tu t'es trompé. Est-ce que tu t'en souviens? Ah non, quand ça? Tu te souviens quand tu l'as eu dans les entrailles de cette génisse sacrée que je devais me méfier des enfants du Nil? 20 ans après, ta prédiction s'est pas réalisée. Ah oui, votre majesté, mais premièrement, les dieux ne nous donnent pas toujours les dates à laquelle vont se réaliser leurs prédictions. Et deuxièmement, vous avez quand même fait égorger tous les petits enfants qui vivaient au bord du Nil. Tu
Tu veux dire que j'ai conjuré ta prédiction ? Seuls les dieux, et puis aussi l'auteur de ce scénario débile le savent. Majesté, majesté, on peut vous voir ? Ah, mes enfants, entrez, entrez, ça fait plaisir de vous voir. Allez, venez, venez, entrez. Allez, majesté, bon, je vous ai dit, majesté, ça va ? Salut au Simpsonis. Oh, Eric Carroll, Doropâtre, enfin, essayez de comprendre. Vous êtes dans la salle du trône du grand pharaon Ramsès XII. Alors que vous n'êtes que les enfants de la concierge. Un peu de tenue tout de même. Laisse-les, laisse-les, ils sont jeunes, je les connais depuis toujours. C'est un peu mes enfants, alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'y a-t-il de mes enfants ? Expliquez-moi tout. Eh bien voilà, majesté, on a eu une idée, Doropâtre et moi. Oui. Oh oui, une idée extraordinaire. En fait, c'est Eric Carroll qui l'a eu. Alors, majesté. Oui. Vous vous souvenez de l'obélisque qui sert à rien, là, Luxor ? Oui, vaguement. Enfin, j'ai un vague souvenir, oui. Eh bien, voilà, on a eu l'idée d'en faire une grande place pour attirer les touristes. Oui ! Tiens, tiens, on a fait un dessin. Regardez, tu m'aides, Eric ? Ah oui, oui, oui. Oh ! C'est pas mal, hein ? Ça, c'est pas mal, hein ? Pas mal. Mais c'est ridicule, enfin, pourquoi pas faire des concerts de rock ? Ça ne marchera jamais. On parisse. On parisse ? On parisse. Pas de pitié pour les croissants, vlan. Je suis pas sourde, arrête. Je sais pourquoi personne nous regarde. Ah bon, pourquoi? Pas que c'est parce que l'image est mal réglée. Mais tu es sûr, Charlie? Oui. Mais comment tu sais ça, toi? Parce que hier, j'ai rencontré un petit garçon. Oui. Et il parlait avec une petite fille. Et quand ils m'ont reconnu, le petit garçon, il a dit à la petite fille... C'est le là, je peux pas les voir. On fait ça pour manger, nous. L'année suivante, une grande sécheresse vint frapper le pays d'Égypte. La famine s'installa et le peuple se révolta. Le peuple se révolte. Ils arrivent par milliers devant les fenêtres du pharaon. Il faut vite prévenir sa majesté. Tu as raison, Ariane. Il faut y aller. Et mon Dieu, les enfants! Ils sont dans la chambre, en train de travailler. Allons-y. Dis-moi, c'est joli ça, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un instrument que j'ai inventé cette nuit. Ah bon ? Cher Doropâtre. Ça sert à quoi ? Ça sert à... Bah, tu vois... Faire de la musique ? Faire de la musique. Ah bon ? Et tu l'appelles comment ? Ça, c'est une valse. Non, mais... Ah. L'instrument, c'est quoi ? L'instrument, c'est un luth. Oh, j'aime pas le nom. Non ? Ah, je pensais luth. Ou bien peut-être un piano ? Oh, j'aime pas non plus, non. Alors, voyons voir. Une flûte traversière. Oh, c'est compliqué, c'est long. Un doroté acoustique. Oh, c'est encore trop long. Je ne sais pas, moi. Une guitare. Guitare, guitare. Ah, j'aime bien le mot de guitare. Guitare. Méchant, le peuple aura bon sens. On va faire une guitare. Guitare. Eh ben d'accord. Tu entends, qu'est-ce que c'est ? Ça y est, c'est le peuple. Il se révolte. Vite, Eric, il faut absolument prévenir le pharaon. Viens, allez, ciao. Viens, 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 viens. Méchant, le peuple aura ton sang. Pas de pitié. Pour les croissants. L'éclat d'un sourire n'a quoi quand il daignait me regarder. C'était en hiver, un jour où il faisait froid, quand pour la première fois nos yeux se sont croisés. Dans ses grands yeux verts, j'ai compris en un changer. Dans ses grands yeux verts, j'ai aperçu le printemps. J'ai vu mes rêves d'enfant soudain réalisés. Toute une vie dans un sourire, une petite fille vient de
Ça, c'est génial. Chance, le pape se révolte, ils ont des milliers dehors. Je sais, de rempâtre, mais que faire hein? En tout cas, majesté, oui. Il faut faire quelque chose, sinon ils vont tout distraire. Absolument, si bah vous dire en égyptien moderne, ça, ils vont tout casser. Distraire Est-ce que tu as une idée, grand soupçonniste? Alors... Vite. 2, 3, attends une seconde, on a dit séquence 4. Ah bah voilà. Non. Mais majesté, allez au moins leur parler, allez au balcon. Mais tu ne te rends pas compte de repartir, ils sont des milliers, c'est trop dangereux. Eh bien, j'y vais. Pas de pitié pour les croissants. Dis, oui. Tu votes pour qui, toi? Pour moi. Et toi, tu votes pour qui? Bah, pour moi, hein. Et voilà, la France est toujours coupée en deux. Vous avez l'heure? Princesse, méchante, le peuple aura ton sang. Princesse, oh, majesté, méchante, c'est incroyable, ils sont des milliers, des millions. Il faut que vous allez leur parler. Il n'y a que vous qui puissiez le faire revenir à la raison. C'est cela, Doropâtre a raison, majesté. Bon, j'y vais. Soyez prudent, majesté. Oui. Oh, majesté. Ils sont vraiment en colère. Mais majesté, il faut faire quelque chose, sinon ils vont vraiment tout casser. Bon, j'ai compris. J'y vais. J'ai avec toi, Eric Carole. Ah, oh, Lui aussi. Ton sang, princesse, méchant, le roi sera ton sang. Toi bien de ce regard qu'on échange comme un secret. Il sera l'écho de mes regrets. Et laisse-moi partir. À partir. Mais laisse-moi partir.
Pas de pitié pour les croissants. Hé, hey, Mochette. Ouais. Regarde pas à gauche, mais il y en a deux qui n'arrivent pas à nous regarder, je te dis. Tu crois? Ouais. Ah ouais, t'as raison. Ils viennent peut-être nous inviter à danser. Attention, attention, ils viennent. Attends. Excusez-moi, vous ne savez pas si la jeune fille qui était là revient bientôt? Ça pourrait être pire. Eh bien, merci, Ricarol. Ah, c'est venu ce matin, c'est tôt. Ah, c'est pas le côté pour les croissants. Oui, c'est vrai, il fait un petit t'en peu un, tôt. Ah. Dis-moi, pourquoi il n'y a pas trait d'union entre Eric et Carole? Parce que quand j'étais... Bon. Comment j'aime bien croissant. Oui, parce que moi... Oui, on t'écoute, on t'écoute. Parce que ma maman devait m'appeler Caroline. Pourquoi? Ah, ouais. Pour quelle raison? Parce que j'avais l'air d'une petite fille. Ah bon? Tu viens de sortir ton disque, là? Oui, enfin, il y a quelques mois déjà. Quelques mois déjà. Ouais, mais tu viens de sortir le Maxi 45 Tours, non? Je viens de sortir le Maxi 45 Tours. Ariane, voilà, ça c'est le petit. Voir le Maxi. Et Ariane va nous monter le Maxi 45 Tours. Voilà. Donc, il est pareil en fait. C'est pareil, mais c'est version longue, non? Enfin, non, il n'est pas pareil, mais la pochette est pareil. Oui. Bah oui, Maxi 45 Tours. Et en septembre, tu nous fais un petit truc sympa? En septembre, un 45, et puis ouais. Bah, j'espère que j'aurai le budget pour faire un album. Oui, mais... Ah oui, oh oui, oh oui, oh oui. Comment il s'appelle dans 45 Tours, un petit scoop là, pour le papier pour les croissants? Je crois qu'il va s'appeler Victoria, ce qui veut dire par conséquent victoire en latin. Voilà, bah écoutez, parfait, tu dirais Carole. Tout et t'as bien. Pas demandé de venir au Jackie Show? T'es malade, Jackie? Pardon? Tu n'as pas demandé de venir au Jackie Show pour le prochain 45 Tours? Mais si, il viendra, écoute, c'est normal. J'espère bien. Il a été Jackie Tube. Il a été Jackie Tube. Il vient d'office, il vient d'office, il vient d'office. Dis-moi, Eric, c'est gentil, mais tu peux nous servir du café, s'il te plaît, parce que bon. Bien sûr, au fait, je repense à une petite chose tout à l'heure. Pourquoi les oracles de Maître Synopsis, enfin Samsonis. Samsonis, non, mais c'est pas grave, c'est dur à dire. Disait-il au pharaon de se méfier des enfants du Nil? Je sais pas. Enfin, il m'avait l'air parfaitement gentil. Qu'est-ce qui se passe, le café là? Ah bah voilà, voilà, ils avaient 4... Pas de Jackie Chaud. Ils avaient 4 ou 5 000 ans d'avance, c'est tout. Ben voilà. Je suis vraiment confus. Qu'est-ce que c'est ça? Tu reviens quand tu veux. Ah, je suis vraiment confus. Quand tu veux, on va éviter pour les croissants. Quand tu veux, mais... Jackie Chaud, c'est terminé. Je ne crois pas, ça. Bon dimanche, à demain. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir, Carole. Salut, Eric, et merci d'être venu. Ciao, ciao. Salut. Ah, c'est plutôt mieux que d'habitude. Bonjour les petits enfants. Bah pourquoi tu restes debout, Charlie? Je comprends pas. Bah tu sais bien que le médecin m'a prescrit un régime sans sel pour ma cellulite. Mais je comprends pas, Mais je viens au studio en vélo. Bah oui. Et le vélo sans sel, eh bien c'est horrible. Pas de pitié pour les croissants. Et je te dis, c'est le peuple, il se révolte. Vite, courons voir le pharaon. Et comment que je me lève élégamment, si tu veux. Alors, Je veux dire. C'est par rapport au vécu. Je me lève et on sort par où? Parce tu veux du tête, peut-être? Il nous dit rien, il est gentil Ouzoum, mais il nous dit pas. Oh, allez, arrive, majesté, mais laissez-moi le temps au moins de faire ma voix off. Oh, mais qu'y a-t-il donc, majesté? Mon règne touche à sa fin, hein? Les ans ont posé leur lourd fardeau. Troublé par une voix de bébé. Papa, on recommence. J'arrive, mais laissez-moi au moins le temps, mais Seigneur, de faire ma voix off. Qu'y a-t-il? C'est quand tu as lu dans les entrailles de cette génisse farcie. Qu'y a-t-il, majesté? Voilà. Fallait quand même me laisser le temps de faire ma voix off. Bon, voilà. On va voir. Bon. Mon règne touche à sa fin. Ça y est, je suis bon. Venez, mes enfants, ça fait plaisir de vous voir. Venez. Bonjour, Majesté. Salut, oh, Majesté. Salut, oh, Synopsis. Oh, Eric Carole, Doropas. Synopsis. Bon. C'est bien Synopsis. Synopsis. L'autre, il dit Synopsis. Ah, mes enfants, venez, ça fait plaisir de vous voir. Venez. Bonjour, Majesté. Salut, oh, Majesté. Salut, oh, Synopsis. Bon, on la refait parce qu'il y a un problème avec mon nom, lui. Mais non, mais c'était drôle. C'était parfait. Mais il a fait exprès. Simple. Attends une seconde là. Sonis, ouais, c'est ça. Laisse-le faire, toi. Alors, si tu le fais, tu sors carrément. Bon, 5 secondes après mon top. T'as 3 braguettes, toi. Attention. T'es bien protégé, hein. Oui. Ouais. Non, ça, c'est une petite poche pour ma clé. En place.
Mais c'est enfin, avec Carole, Doropâtre, essayez de comprendre. Vous êtes dans la salle de trône du grand pharaon Ramsès XII. Et vous n'êtes que les concierges des enfants. Alors un peu de s'il vous plaît. Ah. Les concierges des enfants. Les enfants de la concierge. Oh merde.